Qu'est-ce que la longue traîne? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert business, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la longue traîne. La longue traîne, c'est vraiment un concept important parce que souvent, on se focalise sur un mot-clé principal qui fait beaucoup de vues, par exemple, comment avoir du charisme. Sauf que la longue traîne, c'est le cumul de toutes les petites expressions synonymes ou les petites variantes qui sont moins recherchés sur les moteurs de recherche, mais qui, finalement, cumulés, offrent une part incroyable de trafic. Par exemple, si je fais un article sur comment avoir du charisme, eh ben, ma longue traîne, ça peut être comment devenir charismatique, comment avoir plus de charme. Ce genre de truc, c'est la longue traîne. Et il y en a beaucoup, beaucoup des mots. Avoir plus de charme, comment être plus charismatique, comment être un homme plus charismatique, comment être une femme avec du charisme, comment, voilà. Et je vais faire la longue traîne, je vais placer toutes les expressions un petit peu synonymes quelque part dans mon article. Et ça fait que peut-être mon article ne va pas se positionner sur comment devenir charismatique, mais sur comment avoir plus de charisme. Peut-être que mes concurrents n'ont pas mis cette expression-là dans leur moteur de recherche, dans leur page, pardon. Mais le moteur de recherche est intelligent, il reconnaît, il associe. Et si il vous fait sortir sur cette requête-là, vous allez avoir des visites et vous allez remonter aussi sur la requête principale grâce aux visites que vous allez acquérir via la longue traîne. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, c'est de placer aussi dans vos articles les autres mots que le mot-clé principal, c'est-à-dire tous les synonymes, tous les variantes, par exemple, je prenais déjà l'exemple dans une autre vidéo, comment exciter une fille, ça va être comment chauffer une fille, comment chauffer une femme, comment exciter une femme, une femme excitée et eux, comment rendre une femme excitée, comment rendre une femme chaude, tu vois, ce genre de truc. Mettre vraiment les expressions variante de votre requête principale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé Argent Comptant et télécharger votre formation gratuite d'une heure sur comment j'ai fait pour faire décoller mon business, les quelques trucs qui m'ont vraiment fait toute la différence. Je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous.